Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi et honoré de pouvoir démarrer ce salon par un petit topo d'une vingtaine de minutes. On va profiter du temps qui est libéré par KLM pour essayer d'interagir davantage. Donc, je propose déjà à ceux qui sont debout d'essayer de trouver des places. Il y en a encore devant. Il y a marqué VIP, mais vous êtes tous des VIP aujourd'hui parmi nous. Donc, n'hésitez pas à vous approcher, à vous installer avant que nous démarrions. Donc, comme l'a dit Sally, c'est un peu la journée des clones. Sally remplace Muriel Pénicaud et moi, je remplace Philippe Lacroix, qui est mon alter ego au sein de ILDI, le cabinet que nous avons fondé autour de l'innovation en formation et du digital learning il y a de cela 5 ans. Donc, je suis ravi de vous accueillir. J'aurai le plaisir de passer la matinée avec vous et surtout d'interagir avec nos différents intervenants, puisque vous allez avoir des partages d'expériences et des retours pratiques d'entreprises qui ont mené des grands projets dans le domaine du digital learning, et afin de répondre à vos attentes exprimées auprès de Sally, travailler vraiment sur des cas concrets. Voilà, je pense que tout le monde a pris place. Il y a encore des petites places? S'il y a des places, voyez, juste ici, allez-y, installez-vous, profitez-en. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, la fond de la salle aussi, parfait. Bravo pour la sonorisation, alors. Et donc, je vous propose de démarrer notre petite séquence avec un petit propos que je souhaitais partager avec vous. Ça fait, comme disait Sally, un petit moment que je parcours le monde de l'innovation en formation. Je ne vais pas vous dire combien d'années, mais pas loin de 30 aujourd'hui. Et dans différentes organisations où j'ai eu des différentes responsabilités plutôt de bon niveau dans ce domaine-là. Et je m'aperçois, en prenant un peu de temps sur le passé, que le changement en formation est un temps long. On parle de management du changement dans la transformation digitale des organisations de formation, mais on ne souligne pas suffisamment le fait que, même si tout est de plus en plus urgent, finalement, faire passer ce changement, ça prend du temps. Et je voudrais savoir si, parmi vous, certains étaient là en 2000, lors du premier salon qu'a lancé Sally, qui s'appelait e-learn Expo à l'époque. Est-ce que certains d'entre vous étaient là déjà? Voilà, voilà, bravo, bravo aux survivants. Presque 20 ans ont passé, et donc tout ça pour vous dire que d'abord les populations se sont renouvelées dans le département formation, bien entendu, mais également que les usages ont changé, et que si ce changement est long, parfois fastidieux, il est aussi passionnant. Et finalement, avec ces différentes années, vous avez réussi à absorber un certain nombre de modifications dans vos pratiques, et surtout, vous avez adopté des vocabulaires et des concepts nouveaux. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Je ne dois pas être exhaustif, certainement, ici, mais voilà ce que vous avez été capable d'absorber dans la transformation de vos modalités de formation. Il y a 20 ans déjà, on parlait de LMS. Aujourd'hui, on va parler de LEP, de LXP. Il y a 20 ans, on parlait de e-learning. Aujourd'hui, on va parler de serious game, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de MOOC, de SPOC. Bref, ce vocabulaire, mais également tous les concepts qui vont avec, vous vous les êtes appropriés, et ça n'a pas été forcément simple. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas de reprendre tous ces concepts-là, mais vous faire partager finalement ce que nous, on constate dans nos missions de conseil auprès des organisations formation, et puis à travers la Digital Learning Academy, qui est un site qui nous permet de cristalliser les politiques d'innovation en matière de formation et de digital learning. Ce que l'on constate, c'est que ces changements-là, finalement, on n'est qu'au début. Et que ce que l'on vit aujourd'hui, et vous le voyez par la transformation du salon, c'est une vraie professionnalisation de ce secteur d'activité qui est le digital learning, les technologies appliquées à la formation. Le salon aujourd'hui est celui d'il y a 19 ans. Je pense que si on faisait le big picture des deux, ça serait assez frappant. Et donc, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est de vous dire finalement, parmi les changements qui nous guettent, on est à un moment où on a toutes les conditions pour transformer nos organisations de formation, transformer nos pratiques. La technologie est là et on en est encore aux prémices, et les changements sont nombreux, on le verra rapidement. Les conditions créées par l'innovation
l'État, en quelque sorte, avec la réforme de la formation professionnelle, nous pousse à changer. Et enfin, les populations qu'on accueille dans les entreprises, les fameux millennials, nous poussent également à changer. Donc, face à ces trois atouts, nous n'avons plus le choix, nous devons passer à autre chose. Alors, simplement, ce qui est enfin possible, et ce qui a été un petit peu un des credos du e-learning à l'époque, c'est que, pour moi, il y a trois dimensions nouvelles qui viennent transformer la façon dont on va faire de la formation, dont on va vivre la formation. La première dimension, c'est se former où je veux. Ça, c'était une des promesses du e-learning à l'époque, sauf que se trimballer avec son ordinateur sans connexion à l'époque, c'était un petit peu compliqué pour se former où l'on voulait. Donc on se formait souvent, finalement, au bureau. La promesse du digital learning, et notamment du mobile learning associé, c'est effectivement de se former d'où je veux, sans fil à la patte. C'est de se former d'où je veux, mais c'est aussi se former quand je veux. Et ça, c'est une dimension essentielle, parce que le côté parcours prescrit, organisation de la formation, distribution de la formation organisée du haut vers le bas, c'est bien sûr quelque chose qui reste et qui va rester, mais ce qui est aussi essentiel, c'est de pouvoir donner accès de façon libre à la formation au moment où j'en ai besoin. Je vous rappelle que l'ancrage dont parlera Fabrice Cohen très bientôt, l'ancrage mémoriel, comme il le qualifie, ou encore la trace mémorielle, elle n'est jamais aussi forte que lorsque l'on est motivé pour apprendre. Donc le fait d'accéder au moment où j'en ai besoin à l'information ou la formation dont j'ai besoin va me permettre un ancrage beaucoup plus fort. Et ça, les nouvelles technologies le permettent. Et puis, il y a un nouveau concept, j'allais dire, c'est se former comme je veux. Comme je veux, ou plutôt même comme je suis. Et ça, c'est la dimension adaptive learning et les neurosciences qui vont nous permettre d'essayer de calibrer au mieux la formation en fonction de l'individu. On a longtemps parlé d'individualisation de la formation. On est en train de toucher du doigt, de façon concrète, la possibilité de faire de la formation individualisée. Et on verra comment. Donc voilà, ces trois dimensions me paraissent essentielles. Elles sont finalement les étapes que l'on est censé mettre en œuvre très prochainement. Alors le M-learning, moi j'aime bien ce concept-là parce que, en fait, l'idée c'est de se dire qu'il faut fractionner la formation. Il est nécessaire de donner accès de façon, j'allais dire presque homéopathique, à des capsules de contenu. Et ça, de façon flexible, de façon souple, de façon immédiate, à travers les terminaux que vous avez tous en main, puisque je vais vous voir prendre des photos sur les slides à l'écran. Donc vous voyez que cette capacité d'utiliser nos terminaux mobiles pour se former est une vraie réalité. Mais pour ça, il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est se dire qu'on ne doit pas concevoir de la même façon. Autant, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de consulter des micro-modules sur un ordinateur? Des micro-modules ayant été conçus pour le portable, mais utilisés sur un ordinateur? Oui, utiliser des modules e-learning qui ont été construits pour un grand écran sur votre mobile, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Même si on parle de responsive design, un module fait pour l'ordinateur n'est pas un module facilement utilisable et consultable en mobile. Donc ça nous oblige à penser et à créer nos modules de façon différente. D'abord, comme on dit, mobile first. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mobile first et des modules courts. Autant il est possible d'agréger des modules courts pour en faire un module long, et donc consultable sur un ordinateur, autant il est difficile de ne pas rendre un module long fait pour un ordinateur et de l'utiliser sur un mobile de façon découpée et flexible. Donc ça nous engage à repenser la construction de nos fameux grains pédagogiques et vraiment de raisonner en grains. Et cette mobilité-là, elle a une deuxième conséquence qui me paraît assez forte, c'est que, et les prises de photos de tout à l'heure l'attestent, c'est que cet outil de distribution de la formation au plus près du besoin, qu'est le smartphone, eh bien c'est aussi un outil de production de contenu. C'est-à-dire qu'une des dimensions de plus en plus fortes que nous voyons émerger, c'est la capacité des apprenants, des end-users, des consommateurs de formation à devenir eux-mêmes des producteurs
de formation. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content, et ça, ça va se faire à partir de ces outils-là, de ces terminaux-là. Donc on va passer d'une logique distributive de la formation à une logique où on va pouvoir accéder à son rythme et selon son besoin au grain de formation dont nous avons l'usage, et de la même façon, la possibilité de fabriquer nous-mêmes des contenus et les mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc, ayons bien ça en tête, parce qu'en termes de pilotage de la formation, c'est une dimension nouvelle. Ce contenu qui va être produit, est-ce qu'il faut le valider? Quel est le workflow? Comment on le publie? Comment on le diffuse? Comment on le partage? Comment on sait qu'il est bon pour la communauté? Donc, cette dimension collaborative et productif de la formation est porté par ces outils que sont les outils mobiles. Voilà, donc ça c'est le M-learning au sens large, le côté micro, découpage fin, production de ressources par l'apprenant lui-même, partage, et puis en même temps diffusion de façon libre et au plus près du besoin, donc un meilleur ancrage. Et bien entendu, tout ça peut se faire d'une façon gamifiée, puisqu'on est dans une génération et dans des modalités où on a besoin de challenge, de partage, de progression. Deuxième dimension importante, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais simplement, d'autres le feront mieux que moi, simplement expliquer ce que cela va permettre. L'intelligence artificielle, c'est la possibilité, grâce au traitement de grandes données et à un certain nombre d'algorithmes associés, de pouvoir traiter de l'information pour en tirer un certain nombre de conséquences. Et dans le cas de la formation, il y a une dimension essentielle, c'est de pouvoir... Alors aujourd'hui, les premières applications de l'IA en formation, vous allez les trouver à travers des chatbots, on va dire des mentors ou des coachs ou des tuteurs pédagogiques plus ou moins optimisés grâce à l'intelligence artificielle, qui vont taper dans des bases de données de réponses en temps réel à des questions d'apprenants. Et puis on commence à le trouver, et d'autres en parleront mieux que moi certainement, sur la dimension adaptive learning. Et cette dimension adaptive learning, ça veut dire que l'on va tendre vers l'individualisation de la formation, pouvoir répondre de façon précise et efficace, non pas à besoin d'une cohorte d'apprenants, mais à l'apprenant lui-même en fonction de ce qu'il est, de son profil d'apprentissage et de ce qu'il fait réellement avec les outils en ligne. Donc on va avoir deux types de données d'entrée, ce qu'il déclare être, son profil, son nom, son passé, son parcours, ses compétences, bref, ce qu'il voudra renseigner par lui-même ou ce que vous lui ferez renseigner. Et puis deuxièmement, ses habitudes de consommation, ses besoins, ses freins, là où il bute en temps réel quand il consomme des outils digitaux. Et le traitement de ces data va permettre d'adapter, plus ou moins en temps réel, deux choses. La première chose, c'est le parcours pédagogique. Le parcours pédagogique aujourd'hui, ou bien souvent, il est un peu monolithique ou il est spécifié selon un test de prérequis plus ou moins efficace qui va donner accès à des modules. Ce que va permettre effectivement de façon plus forte l'intelligence artificielle, c'est d'adapter concrètement le parcours en fonction de la bonne dose de modules nécessaires à tel ou tel individu. Premier point. Et le deuxième niveau, qui est le plus complexe à monter, c'est de travailler sur une adaptation des contenus et du traitement pédagogique de ces contenus en fonction du profil de l'apprenant. C'est pouvoir contextualiser en fonction du besoin la modalité pédagogique, le nombre de quiz, le niveau de difficulté des quiz que l'on va offrir à tel ou tel individu. Donc on voit bien que cette dimension-là, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de faire deux choses. Les deux enjeux qui sont derrière l'adaptative, c'est le premier, c'est le gain de temps. Nous sommes tous à la recherche de temps. Si on prévoit un parcours qui fait 100 minutes, et si on le prévoit pour tous, c'est assez facile d'estimer la durée cumulée. Si sur ces 100 minutes, on a la capacité d'adapter en fonction du profil et de diminuer le temps en fonction du niveau de prérequis et du profil de chaque individu, eh bien forcément, on va optimiser très pratiquement le temps que chacun va y passer. Et donc ce temps-là, il peut répondre à un deuxième enjeu, c'est d'apporter plus de compétences à l'individu. C'est-à-dire, en même temps passé, à ce moment-là, j'apprends davantage et je perfectionne mon niveau d'apprentissage en fonction de qui je suis. Donc voilà ce qui se cache derrière l'adaptive learning, c'est améliorer la performance de l'apprentissage en fonction de l'individu lui-même, dégager plus de temps, soit pour faire autre chose, soit pour apprendre davantage.
comme Sally a explosé son temps, j'en ai un peu plus pour moi. La bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'au-delà de l'impact technologique qui est celui que nous vivons, il y a une dimension essentielle qui reste la pédagogie et l'apport des neurosciences dans ce domaine-là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je prends souvent cette image qui, à l'écran, est un peu floue, et souvent, elle est dans le traitement. C'est lorsque vous allez chez le garagiste pour faire une vidange de votre véhicule, vous n'aimez pas tellement entendre la réflexion suivante, c'est « Bah écoutez, oui, je sais pas trop comment fonctionne un moteur, mais je vais faire de mon mieux. » Le parallèle avec la formation et notre cerveau, il est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tous de la formation, ou on fait de la formation du mieux que l'on peut, sans savoir comment notre moteur fonctionne. Et ce qui est fabuleux avec les neurosciences, le neurolearning, c'est cette capacité à mieux comprendre comment notre cerveau apprend pour caler des stratégies pédagogiques de plus en plus efficaces, pour rendre nos apprentissages de plus en plus efficaces. Donc les neurosciences, elles nous permettent de soulever le capot, de comprendre davantage comment on fonctionne, comment notre cerveau apprend, de quoi a-t-il besoin pour apprendre. Alors, rapidement, je voudrais citer quelques levier, j'allais dire, sur lequel on peut agir en formation. Le premier, c'est bien entendu de stimuler l'attention. Nous avons tous une capacité d'attention limitée, même si on peut penser le contraire. Et vous savez que ce qui fait la richesse et l'impact de la formation, c'est cette capacité du formateur ou de la solution Digital Learning à capter l'attention des apprenants ou des stagiaires. Et donc, vous vous souvenez peut-être de la fameuse phrase de Patrick Lelay, PDG de TF1 à l'époque. Mon job, c'est de trouver du temps de cerveau disponible pour passer des messages et des messages publicitaires et les faire mémoriser. Donc, cette logique d'attention, c'est quelque chose de fondamental parce que notre attention, elle est de plus en plus sollicitée, elle est de plus en plus mobilisée par tout un tas de choses. Donc, se concentrer, se centrer sur sa formation, c'est un élément essentiel. Surtout qu'on est perturbé en permanence, qu'on est devenu des zappeurs. Notre cerveau, lui, le zapping, il déteste. Il a besoin de se concentrer sur ce qu'il fait. Donc arriver à mobiliser son attention est un des actes essentiels en pédagogie. Deuxièmement, un élément fondamental, bien entendu, de l'apprentissage, c'est savoir comment notre mémoire fonctionne. Donc vous avez maintenant beaucoup d'ouvrages sur ce domaine-là. Je vous engage notamment à lire et à passer sur le stand de Bounoz pour voir et demander le livre blanc que nous avons écrit sur ce sujet-là avec eux pour décrypter le mode de fonctionnement de la mémoire. Mais cette mémoire, plus on joue sur les émotions, alors avec un dosage bien entendu à mesurer, plus on va renforcer cette trace mémorielle dans le temps. Donc savoir mobiliser les émotions en formation est aussi un des leviers clés de l'apprentissage. Enfin, pour apprendre, il faut être motivé. Combien de vous se sont inscrits à des MOOC et ne sont pas allés jusqu'à la fin? Oui, merci d'être honnête. Vous aviez envie pourtant, si vous êtes inscrit à un MOOC, vous aviez envie. Et puis cette envie-là, au bout d'un moment, elle est tombée. Parce que vous êtes tout un tas de sollicitations autres. Donc cette capacité à garder l'apprenant, cette capacité à le mobiliser, à le motiver dans la durée, c'est une donnée essentielle. Et donc tous les leviers, notamment du gaming, sont à utiliser dans ce domaine-là. Vous savez que ce qu'on appelle l'effet Eureka, c'est la capacité à un moment donné que l'on a à solutionner une énigme. Donc les jeux, les énigmes, tout ça c'est fondamental parce que ça décoche chez nous ce qu'on appelle la dopamine, une bonne copine de la sérotonine de notre ami Welbeck. La dopamine, c'est une hormone dite qui contribue au bonheur, au bien-être. Et donc, quand vous réussissez un challenge, un jeu, vous décrochez un badge, vous gagnez des points, vous êtes mieux positionné que vos camarades dans un apprentissage, eh bien, ça vous libère cette dopamine qui vous donne envie d'aller plus loin et qui reconstitue aussi vos capacités à vous reconcentrer et à vous motiver. Et puis enfin, une dimension essentielle dans nos apprentissages, c'est
pour ancrer la formation durablement dans nos cerveaux, il faut répéter. On a toujours su ça quand on est pédagogue, c'est que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Aujourd'hui, les neurosciences nous permettent de dire oui, et on sait pourquoi ça marche. Et la règle de la répétition espacée, elle fonctionne. On sait que ce que vous aurez vu aujourd'hui dans ces conférences, demain, vous aurez oublié plus de la moitié de ce que vous aurez entendu. D'accord ? Donc, si demain, vous n'avez pas une remise à niveau ou un rappel sur ce que vous avez vu, eh bien, vous aurez perdu pratiquement, dans une semaine, 90% de ce que vous aurez vu ici. Donc, cette règle de la répétition espacée, elle est fabuleuse parce que le digital learning permet de servir et d'apporter des solutions. On parlait de micro-learning et de M-learning tout à l'heure. Eh bien, c'est typiquement des outils qui vont vous permettre de rappeler de façon systématique, selon cette règle-là, les informations qui ont été vues en salle ou à distance. Donc voilà comment quelques règles ou quelques leviers sur lesquels vous pouvez agir en matière de neurosciences ou de neurolearning. Et puis, on le sait bien tous, notre capacité d'attention est vraiment restreinte. J'insiste là-dessus, c'est que on se fait souvent trop confiance et on se dupe. On dupe les stagiaires et on dupe le service de formation et on dupe les commanditaires. On va vous dire que le contenu qui est là, il va pouvoir rentrer dans une journée, deux jours, etc. Et on va mettre du contenu et on est tous coupables. Le formateur parce qu'il a peur de ne pas en dire assez, les stagiaires parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir assez, et le commanditaire parce que lui ou l'expert, il veut tout faire passer. Or non, il faut faire des choix, il faut trier, il faut structurer, il faut découper, sinon on rate l'objectif. Donc ne soyons pas dupes de nous-mêmes, faisons cette sélection, travaillons sur moins de messages, mais faisons passer ces messages de façon professionnelle, avec des activités pédagogiques qui correspondent. Et c'est donc pour cela, j'imagine que Salim a donné 20 minutes pour vous parler, parce qu'elle m'a dit certainement que vous n'aviez pas plus de 20 minutes d'attention à m'accorder, et donc je vous remercie de cette attention-là. Et si les neurosciences vous intéressent, vous avez deux possibilités, en plus de celles que j'évoquais avec le livre blanc de Wounows, d'approfondir le sujet. La semaine prochaine, on a un événement sur ce thème-là. Et il y a bien sûr le bouquin qu'on a coécrit avec Nadia Medjad et mon ami Philippe Lacroix, qui aurait dû être là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions ou on enchaîne directement avec notre premier atelier ? C'est comme vous le souhaitez. On va enchaîner ? Allez, on enchaîne. OK.